Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous souhaite la bienvenue sur la page Harmony Scrap. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Indre et on se retrouve chaque semaine le lundi à 10h30 pour un live créatif où nous prenons plaisir à scraper ensemble. Bonjour Odile, comment ça va? Tous les projets que je vous propose sont exclusivement réalisés avec les produits Stampin' Up. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi les réaliser de votre côté avec ce que vous avez. Si vous avez envie, bien sûr, de reproduire à l'identique, eh bien, je vous invite à vous rendre sur ma boutique en ligne où vous retrouverez tous les produits et également sur mon blog harmoniescrap.fr où vous aurez là, après le live, tout la liste des produits que j'aurai utilisés pour les deux versions. Coucou ma petite Véronique, comment vas-tu? Je suis ravie de te retrouver ce matin. A priori, vous avez un petit souci de son. Le son est très bas, oui. Alors là, pour le coup, je n'ai pas la solution à moins de... Non, là, pour le coup, je ne sais pas. Quoi dire, je vais regarder ça, je ne peux pas régler ça. Là, pour le coup, j'ai jamais eu de soucis avec le son. Je vais tester ça. Alors, est-ce que du coup, c'est mieux là? J'ai appuyé sur un bouton, je ne sais pas trop ce que ça va faire. Dites-moi si c'est bon. Est-ce que ça va un peu mieux? Là pour le coup, toc toc. Est-ce que c'est mieux? Tu voudrais dire un petit message, Véronique? Oui, écoute, je t'en prie. Transmets ton petit message. Bonjour Laurence. Coucou Fabienne, en mode création. Bonjour Andy. Alors. Alors, est-ce que c'est mieux? Je viens de tester autre chose. Bonjour Maria-Isabelle. Comment ça va? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Dites-moi. C'est bon? Bon, écoutez, je vais retirer cette petite chose et on va faire comme ça. Parfait! C'est trop fort. Ah bah là, pardon, hein. Bah oui, vous avez mis le son à fond. Donc là, maintenant, vous pouvez baisser votre volume parce que vous, vous l'aviez mis à fond. Et du coup, moi, j'avais un souci de micro, apparemment. Donc, baissez votre volume et du coup, on devrait y arriver. Alors, Véronique, n'hésite pas à passer ton petit message. Coucou Martine, comment ça va? Alors, bon. Passons aux choses sérieuses. Je vais vous donner quand même les quelques infos comme d'habitude et puis ensuite on va commencer la création de notre petite lanterne de Noël qui apparemment vous a beaucoup plu et vous aviez hâte de la réaliser. C'est ce qu'on va faire ce matin. Alors, il y a 2-3 jours, j'ai relancé en fait les inscriptions pour, bonjour Nadine, pour un album que j'avais déjà proposé il y a quelques semaines. Et du coup, beaucoup parmi vous étaient déçus d'avoir raté les inscriptions. Donc, je relance une vague d'inscriptions très courte. Elle se terminera demain soir. Non, ce soir. Ce soir. Les inscriptions se terminent ce soir, je vous montre. Voilà, c'était celui-ci. Vous pourrez choisir deux de vos collections préférées dans les catalogues en vigueur. Vous avez dans la publication, en haut sur Facebook, dans la barre d'infos, sur YouTube, le lien donc pour vous inscrire sur le formulaire. Attention, je dois recevoir les règlements d'ici le 30 au plus tard, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai déjà pas mal d'inscriptions, ça fait plaisir. Du coup, j'espère avoir satisfait le plus grand nombre.
Alors, je fais une petite aparté avec le message de Véronique. Je veux remercier les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire et envoyé une petite carte. Ça m'a énormément touchée. Écoute, Véronique, c'est avec un grand plaisir. C'est ça aussi le monde du scrap, le monde de partage et de bienveillance où on se sert de toutes les occasions pour créer et pour faire plaisir. Donc, c'est parfait. Merci, Martine. Autre petite chose, je vous l'ai dit déjà samedi, j'ai fait un live spécial à cette occasion. D'ailleurs, les liquidations du mini catalogue arrivent ce jeudi. Donc ne tardez pas, je vous invite à aller consulter le replay de ce live où je vous détaille absolument toutes les réductions de ce mini catalogue. Attention, c'est jusqu'à épuisement des stocks. D'accord, donc si vous avez de vrais coups de cœur, ne tardez pas à passer votre commande dès jeudi prochain. D'accord? Et bien sûr, n'oubliez pas le code hôtesse. Si votre commande n'atteint pas les 200 euros, je vous enverrai un petit cadeau en plus au mois de janvier. Bon, voilà, de quoi vous gâter. Et je prévois aussi une autre surprise pour le mois de décembre que je garde encore un petit peu au chaud, que vous verrez très bientôt. Donc restez connectés sur ma page ma page Facebook ou mon profil Instagram. Vous aurez tout ça très très vite. Je vais tourner ma caméra, d'accord, et vous allez pouvoir découvrir un aperçu de l'album dont je vous parlais et la création de cette petite lanterne. Bonjour Josette, coucou Karine. Et je vous fais simplement un dernier petit rappel ou une petite suggestion si vous hésitez à rejoindre mon équipe des Stamp Lovers. Je vous invite fortement à faire vos petits calculs avec les liquidations. Les réductions sont tellement importantes que vous allez pouvoir presque doubler la quantité de matériel dans votre kit de démarrage. Vous avez toujours la possibilité de choisir pour 175 euros de produits et n'en payer que 129. Mais avec les liquidations, avec des poinçons qui passent par exemple d'une quarantaine d'euros à 17-18 euros, imaginez le nombre de produits que vous allez pouvoir avoir en plus. Donc ça peut être le très très bon moment pour devenir démonstratrice et rejoindre ma belle équipe des Stamp Lovers. Petite info au passage. Coucou Martine, comment ça va? La CB va chauffer Martine. Oui, effectivement. Alors voici le kit album que je vous repropose donc. Voilà, donc vous allez pouvoir choisir votre collection avec le côté très original de la reliure. Voilà, c'est celui-ci que je vous propose en kit. Rapidement donc, les inscriptions se terminent ce soir. Donc voici la lanterne que je vous propose de réaliser avec moi ce matin. Vous avez vu ce magnifique papier vélin qui est incroyablement beau et il se suffit à lui-même. Donc on a les pages, donc c'est du format 30-30. Nous avons les pages avec ce côté brillant, mais on a aussi les autres pages avec le côté un petit peu velours. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, vous allez voir. Les jolis flocons merveilleux, vous allez voir, je vais vous parler de quelque chose à ce sujet très tout de suite là. Et j'ai utilisé le papier argenté ici que j'ai tout simplement passé dans un classeur de gaufrage. Et tout de suite, il est habillé et il se suffit à lui-même. C'est vraiment incroyable. Si vous n'avez pas de poinçon ici pour les découpes, ne vous inquiétez pas, vous pouvez parfaitement faire un dessin ou utiliser voilà, un objet quelconque pour dessiner et ensuite couper au cutter sans problème. D'accord? Vous allez voir, c'est très très simple à réaliser. Du coup, vous pourrez potentiellement en faire plein si vous voulez par exemple décorer vos tables des fêtes. Ça vous plaît? Ok. Bon. Alors, en ce qui concerne donc le papier vélin ici, je vais vous le montrer dans le catalogue parce que ça vaut le coup quand même. Donc, le papier vélin, vous voyez, il est ici. Donc on a les parties argentées et les parties velours, mais vous verrez mieux tout à l'heure. Et là, pendant les liquidations, voilà, il passe de 12,25 à 4,90. Donc si vous a tapé dans l'œil, c'est le moment. Et les fameux petits flocons ici, eh bien, ce sont les flocons merveilleux. Alors, je vous demande un petit.
Alors, on a quelques coupures, je suis désolée, mais ça va se régler, ne vous inquiétez pas. Donc, les flocons ici, voilà, qui sont là, eh bien, c'est pareil. Ils vont être à prix réduit dès jeudi à moins 60%. Donc, ils vont passer de 7,50 à 3 euros. Voilà. Coucou Nadine, comment ça va ce matin? Voilà, vous aurez tout le détail hein, sur le replay que je vous ai, qui est à votre disposition sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Alors, c'est parti. Je vous propose que nous commencions la création de cette belle lanterne. Alors, si vous avez préparé votre matériel, c'est le moment de vous munir du papier uni en 21 par 29. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est même pas la peine de prendre des notes. Il vous suffira, après le live, d'aller sur mon blog harmoniescrap.fr et du coup, vous aurez à disposition la fiche technique avec toutes les instructions et le schéma pour la réaliser. Donc, même pas la peine de prendre des notes, regardez tranquillement et vous pourrez réaliser tout ça après. Donc on commence avec notre base unie qui va vraiment être la plus grande partie en fait de notre création. D'accord ? Donc nous prenons un morceau de 21 par 29 cm et nous allons procéder à quelques plis dans un premier temps. Je suis sincèrement désolée pour les coupures, c'est un problème de réseau que je ne peux absolument pas maîtriser. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous, eh bien vous pourrez consulter les replays bien sûr après sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube sans aucun souci. Je n'ai vraiment pas de solution à ce problème-là. Voilà, je ne maîtrise absolument pas les soucis de réseau à mon grand désespoir. Donc, si vraiment c'est trop pénible pour vous, eh bien, je vous invite à consulter les replays à l'issue du live, bien sûr. Alors, je prends donc mon morceau qui mesure 21 par 29. On va commencer par les plis qui sont sur le côté de 21 cm. D'accord. Et pour vous aider, toc. Je vous montre un petit peu le gabarit de cette fameuse lanterne. Voilà à peu près ce que l'on va obtenir avec tous nos plis et nos coupes après. D'accord ? Donc nous allons commencer par les plis qui sont ici sur le côté de 21 cm. D'accord ? Donc vous les voyez 7, 16 et 19 dans un premier temps. D'accord ? Il faut absolument commencer par ce côté-là, puisque ces lignes que nous allons faire ici vont nous aider, tout simplement, à gérer la suite des autres plis, d'accord ? Puisque, peut-être le verrez-vous, mais peut-être pas, on va le faire ensemble. Les plis qui sont ici, là, là, voilà. En fait, ils vont s'arrêter à cette première ligne ici, voilà. Donc, eh bien, nous allons tout simplement utiliser ces plis. Donc, c'est parti. Je prends mon papier sur le bord court et je fais un premier pli à 7 cm. Voilà, donc on se place ici et je viens marquer mon premier pli à 7 cm. Alors, on ne coupe pas. J'ai mon plioir qui se sauve. Voilà. Et je marque mon pli à 7 cm. Coucou Nathalie, je ne sais pas si je t'ai salué, comment vas-tu? Le second pli est à 16 cm. Donc si vous avez le coupe-papier Stampin' Up, en fait, il s'arrête à la jointure de la règle ici. Voilà. Donc 16 cm. Et le dernier à 3. À 16, à 19, le dernier pli est à 19. Je répète, les plis sur le bord de 21 cm, 7, 16, 19, 7, 16 et 19. Ok, donc sur le schéma, c'est ici, 7, 16 et 19. Ok, on va attaquer ensuite les plis sur le bord long. Donc comme je viens de vous le dire il y a quelques secondes, tous les plis ne vont pas traverser l'entièreté de la page. D'accord ? Donc
suivez-moi au fil des plis, d'accord, tranquillement, et vous allez voir que c'est très simple, ok? Alors, je ne sais pas trop où le mettre pour que vous voyez bien, je vais peut-être descendre ça, voilà, et le mettre ici, peut-être que ça vous aidera. Oui, ça devrait aller, bien. Donc, je retourne mon papier et je positionne en fait le dernier pli de 19 en haut, d'accord? Et c'est parti. Donc, je viens faire le premier pli ici à 1 cm qui lui va traverser la page. 1 cm sur toute la longueur. Hop. 1 cm tout le long. Ok ? Je viens ensuite me placer à 2 cm, mais là je m'arrête à la ligne ici, d'accord? Je ne traverse pas jusqu'en bas, je m'arrête à la première ligne horizontale. Voilà, je m'arrête, ok. Je pars ensuite à 7 cm, 7 ici. Et encore une fois, je m'arrête à la ligne horizontale. D'accord ? Je récapitule. 1, je traverse. 2 cm, je m'arrête à la première ligne horizontale. 7 cm, je m'arrête. Ok. Je passe ensuite à 8. 8 qui traverse. Oh, écoute, j'espère que la maman de ton ami va bien, Nathalie. Merci beaucoup d'avoir bloqué les intrus. Donc, 8 cm, je traverse la page. Ok. On continue. 9, je m'arrête à la ligne horizontale. Ok. 9. Je m'arrête à la première ligne. J'espère que je ne vais pas trop vite, que vous arrivez à suivre et que le schéma vous parle. D'accord ? N'hésitez pas à me dire surtout. Ensuite, nous passons à 14 et on s'arrête. Vous voyez le principe ? Je m'arrête, je continue, je m'arrête. Je m'arrête, je continue, je m'arrête. C'est ça à chaque fois. D'accord ? Ah, j'arrive à remettre ma chaise. Voilà, donc je passe à 14. Coucou Karine, tu es côté 7 cm. Non, non Brigitte, excuse-moi, du coup t'as pas dû l'entendre si ça a coupé, je suis côté 19 là. Tu vois, mon 7 il est là, 16, 19. Donc 14 cm, je m'arrête. À la ligne ici, voilà. Ensuite je passe à 15, je traverse, je vais jusqu'au bout comme ceci. C'est tous les 1 cm, d'accord. 16 cm, 16, je m'arrête. Oui. Alors, je veux bien que tu rappelles les mesures du grand côté. Celles que nous sommes en train de faire, là, je vais redonner depuis le début, juste après. D'accord? Donc là, j'étais à 16. Je vais ensuite à 21. Les mesures sont là. Hein. 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23. Je m'arrête. 22, je traverse. 23, on s'arrête à la ligne de pli ici. Et pour finir, le 28, pareil, on s'arrête.
Voilà, mes plis sont faits pour ceci. Je vais vous redonner toutes les mesures, d'accord, sur le schéma ici. Tiens, j'ai un dimensionnel qui s'est incrusté. Alors, nous sommes donc sur le grand côté à 29. Nous avons fait sur le côté à 21 les mesures à 7, 16 et 19. Vous placez votre papier sur le coupe-papier avec le petit pli vers le haut. OK? Ensuite, vous faites un pli à 1 cm qui fait toute la largeur de la page. Ensuite, 2 cm, on s'arrête à la ligne de pli. 7 cm, on s'arrête. 8, on va jusqu'en bas. 9, on s'arrête. On passe ensuite à 14 cm, on s'arrête. À 15, on va jusqu'en bas. Et à 16, on s'arrête. On passe ensuite à 21 cm. Et là encore, on s'arrête à la ligne horizontale. 22, on va jusqu'en bas. 23, on s'arrête. Et pour finir, le petit pli à 28 cm, où là encore, on s'arrête à la première ligne horizontale. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas à me dire, ce n'est vraiment pas compliqué, il faut juste bien regarder les mesures et voilà, pour bien suivre, il faut juste alterner en fait, hein, tout simplement, on alterne, vous voyez, je m'arrête, je continue, je m'arrête, je m'arrête, je continue, je m'arrête, je m'arrête, je continue, je m'arrête et je m'arrête, on pourrait presque en faire une chanson. OK? Vous voyez, c'est très simple. Ça marche? Alors, vous voyez sur mon schéma les lignes rouges. Alors, pour celles qui ont l'habitude d'utiliser mes fiches techniques, les lignes rouges, chez moi, ça détermine les lignes de coupe. Mais avant cela, vous avez sûrement remarqué nos petites diagonales ici. Donc, avant de les couper, on va venir les tracer, tout simplement. OK, et pour ça, on va directement le faire avec l'outil de pliage. Hop, moi je vais prendre mon Stampin' Pierce pour faciliter les choses. Donc, les petits plis que vous avez réalisés ici vont vous servir de guide, d'accord, pour venir marquer ces petites diagonales ici, ici aussi, là, là, et là également. D'accord? En fait, on est en train tout simplement de créer des petites languettes pour fermer sur le haut notre lanterne. Donc là, vraiment, je vous détaille énormément le déroulé de la création de cette petite lanterne. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont débutantes et à qui ça va tout à fait convenir. Celles qui sont un petit peu plus... qui ont un petit peu plus l'habitude de scraper... je pense que vous aurez aisément compris le principe de tout ceci. Alors, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires, dites-moi où vous en êtes, si tout va bien, si vous suivez. Et donc, sinon, je vais pouvoir continuer. Donc, je vais venir marquer donc toutes ces différentes diagonales qui sont ici en me servant, en fait, des lignes de pli que nous avons réalisées, celles, en fait, où on s'est arrêté à la ligne horizontale. D'accord, qui vont se rejoindre à la deuxième ligne horizontale, là où on a un croisement en fait. D'accord? Alors, je vous laisse ça. Je vais moi prendre ici. Je prends ma règle et c'est parti. Pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, je vous montre le projet que nous sommes en train de réaliser. Une jolie lanterne de Noël. Voilà. J'ai mis une bougie à LED à l'intérieur. Toc. Voilà ce qu'on est en train de faire. Donc, les fameuses petites languettes diagonales, en fait, elles apparaissent ici, là. Voilà. Ça va nous servir à fermer l'ensemble après. Mais on ne fait pas ça tout de suite, hein, parce qu'on a les découpes à faire
ici. Alors, c'est parti, on y va. Je vais marquer toutes mes diagonales. Voilà. Donc, je me sers de l'outil. Top. Et il vous suffit de suivre le principe ici. J'espère que le schéma vous aide. Voilà. Tout simplement, on suit tous les petits guides qu'on s'est fait précédemment. Voilà. Je me sers des lignes verticales les plus courtes. Et en fait, je trace les diagonales en faisant se rejoindre ici à la deuxième ligne horizontale. J'espère que je suis suffisamment claire et que je ne vous ai pas perdu. Ou alors, c'est que toutes celles et ceux qui sont en train de me regarder ce matin sont en même temps en train de scraper. Et ça, c'est super fun. Du coup, vous êtes hyper concentré sur ce que vous faites. Voilà. Alors là, j'ai peut-être pas assez marqué ma diagonale. Nathalie, t'as vu ça? C'est un truc de fou. Hein. Et vraiment, je comprends pas pourquoi j'ai autant d'intrus sur mes lives, mais c'est usant. Voilà. Insister un peu plus. Voilà, j'espère que c'est pas eux qui me bloquent vos commentaires. Parce que ça serait franchement contrariant. Voilà. Oh, ma petite Fabienne, en tout cas, ça me fait plaisir que tu aies été là un petit peu. J'espère que tu vas bien. Ok. Ah, mais c'est déjà fait, hein, le blocage dans les paramètres. Ça, c'est déjà fait. Bloquer les pays, les machins, les trucs. Oui, ça fait belle lurette que c'est fait, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Voilà. Maintenant que les diagonales sont marquées, eh bien, je vais procéder aux découpes. Et donc, cela signifie que pour la grande partie du bas, on va simplement désolidariser chaque partie, d'accord? Et ici, on va se séparer des deux petits rectangles ici. On va couper en diagonale ici. Et là, faites attention, on va simplement couper la moitié en fait de ce triangle qu'on a créé là. On coupe la moitié ici et là, mais celui-ci, on le garde. D'accord? C'est ok? Alors, c'est parti, je prends mes ciseaux, voilà, et donc je vais procéder aux découpes. Je vous mets ça ici, j'espère que ça vous aide, hein. N'hésitez pas à me dire, et du coup, je... Ouais, si ça va aller. Donc, je viens découper chaque partie comme c'est indiqué sur le gabarit. Et je désolidarise les grandes parties du bas dans un premier temps. Donc on ne coupe pas tout, hein, juste on sépare chacun des a priori carrés, me semble-t-il. Voilà. J'ai coupé, vous voyez, j'en suis là, tac tac, j'ai coupé le petit rectangle ici et j'ai désolidarisé chacun des carrés ici. Ok, maintenant je vais m'attaquer à cette partie-là, d'accord? Donc c'est parti, je viens couper tout ça, hop, je crée le petit biseau ici, tac, tout ça je vais couper, je n'oublie pas la diagonale. Voilà, déjà rien que là, ça commence à prendre.
prendre forme. Ah, merci beaucoup Josette, ton message me fait un bien fou, là, d'un coup, parce que je commence à m'inquiéter que personne n'écrive et que personne ne me dise si ça allait ou pas. Donc, savoir que ça va, c'est bien expliqué, ça me rassure. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. Toc. Alors, je vais le retourner pour être à ma main. Voilà. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Oui, je suis assez visuelle. Voilà. Donc là, je coupe ici. Et c'est sur ma gauche. Voilà. Hop. Et je coupe ici. Vous voyez, je vous repositionne là. Si on voit par rapport au schéma. Oui, Martine, t'as raison. Ok, voilà ce que ça donne au fur et à mesure. Ok, donc vous avez bien gardé la ligne de pli ici. On coupe le triangle en deux. Tout ça, on s'en sépare. Ok, et on fait ça à chaque fois. Ça marche pour vous? Vous arrivez à suivre, c'est bon. Hop. Ça, je garde. Ça, je coupe. Alors, je ne sais pas ce qui vous aide le plus. Si c'est de me voir faire ou si c'est le schéma. C'est un peu difficile de s'adapter à chacun et chacune d'entre vous. Hop. Voilà. Bon, en vrai, hein, en soi, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est vraiment beaucoup de répétitions. Si on fait ça tranquillement, normalement, on s'en sort sans problème. Ok. Là. Voilà. On coupe jusqu'en haut. Les deux sont indispensables, Martine. Ah, bon. Regarde. Voilà où j'en suis. Ok. Alors, si je fais ça. Hop. Du coup, vous avez le dernier qui est là. Ici. Coupe. Voilà. Un petit coup de ciseau encore, voilà. Celui-là, il est coupé, donc je me sépare de celui-ci. Oui, Nathalie, il n'y a pas de souci. C'est déjà gentil d'être venu faire un coucou. Voilà où on en est. Ok, et attention, le dernier, on ne coupe que le petit bout là, d'accord? Celui-ci, on le garde, on en a absolument besoin, d'accord? Pour le collage, l'assemblage de la lanterne, d'accord? Donc faites bien attention à ne pas couper la dernière diagonale. Nous en avons besoin par la suite. D'accord? Donc là, sur mon papier rouge, vous ne voyez pas forcément. Je vais le pré-marquer comme ça. Toc. Ah, la petite diagonale, elle est là, vous voyez. Donc celle-ci, on la garde bien. D'accord? Et on a le rectangle. Ok. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. La feuille rouge rouge, oui, c'est ça, c'est du rouge rouge. C'est bon tout le monde? Donc je vous rappelle qu'on a désolidarisé, hop, ici, là, voilà, ok. Voilà ce que vous allez obtenir. Ok, c'est bon pour vous? Ça vous aide tout ça? Vous avez réussi à gérer? Là, on a fait, selon moi, le plus difficile.
si tant est que ça soit difficile. Mais disons plutôt la partie pardon, où il y a le plus besoin comment dire, le plus besoin d'attention ou de concentration, d'accord, pour être sûr de ne pas se tromper dans les découpes sur nos diagonales, les triangles, etc. D'accord, ça c'était vraiment la partie où vous avez vraiment besoin de plus donc de concentration. Ok? Alors Martine, je suis très à l'écoute, je prends des notes et je prends des photos de mon iPad de votre schéma. Martine, vraiment, ne vous embêtez pas avec ça. Allez sur mon blog, va sur mon blog après, quelques minutes après le live, le temps que je fasse les photos de la création, etc. Et sur mon blog, tu retrouveras la fiche technique complète que tu pourras télécharger sur ta tablette ou imprimer même, d'accord? Et tu vois, il y a toutes les explications, toutes les mesures et le schéma est recréé ici. Donc ne t'en fais pas, pas d'inquiétude, tu as tout ce qu'il faut après. Alors, maintenant que ces découpes sont faites, il nous reste quelques petites choses. Donc, je vais marquer mes plis. D'accord? Toc. Oui, oui, c'est ça. Enregistrer ou télécharger, peu importe. Voilà, je marque tout. Et on va donc maintenant s'occuper de trouer, perforer voilà, la lanterne pour laisser ajourer. Voilà le mot, ajourer. C'est parfait, ajourer. C'est tellement plus adapté. Toc. Donc là, on fait attention que ce soit très propre pour nos petites diagonales. D'accord. On les prémarque, hein, simplement, on insistera plus tout à l'heure. Voilà. Toc. Ici. Toc. Et le dernier. Alors, comme je vous disais en début de live, si vous avez des poinçons, des dies, vous allez pouvoir là les utiliser donc pour ajourer votre lanterne. Si ce n'est pas le cas, eh bien tout simplement, je vous invite à par exemple dessiner des rectangles, d'accord, sur chacune des quatre parties et de venir couper au cutter. Et là, ça sera parfait. Pour ma part, je vais utiliser des poinçons, vous vous en doutez, les mêmes que pour ma première version. Voilà, et en l'occurrence, j'ai utilisé les cadres fabuleux. Donc l'ovale ici rentre parfaitement pour ajouter la lanterne, pour ajourer la lanterne. Hello Sandra, comment ça va? Alors, vous avez vu, ces cadres, ils sont vraiment trop trop beaux, hein, vraiment... Il y a de quoi craquer. Donc je vais utiliser cet ovale. Merci Sandra. C'est très gentil. Et je vais venir procéder au découpe. Mais là, vous allez me dire, oui, mais du coup, la largeur, même dans la grande machine de découpe, c'est un petit peu léger. Aucun problème. En fait, ce que je vais faire, c'est perforer deux en même temps. D'accord. Les dies sont de très bonne qualité, la machine de découpe aussi, donc ça va couper sans aucun problème. En revanche, si vous faites la même chose que moi, je vous invite fortement à utiliser du masking tape, d'accord, donc du scotch repositionnable, pour que vraiment votre poinçon ne bouge pas et qu'il soit bien positionné, parce que sinon, là, c'est fichu pour l'entièreté du projet. Alors, je prends mon masking tape. Voilà, juste un petit bout de scotch repositionnable. C'est marrant, les étrangers sont partis d'un autre côté. Je les vois filer, mais plus de Messenger. Oui, c'est un peu compliqué, hein, les intrus, là. Voilà, ils polluent beaucoup le live. Alors, je vais prendre ma machine. Voilà. Toc. Elle est costaud.
mes plaques. Voilà. Alors, comment j'avais fait pour couper mon histoire? J'avais plié en deux. J'avais plié en deux. Oui. Voilà. Toc. Du coup, vous voyez, ma lanterne, si je passe en pli en deux comme ça, toc, elle tient sur les plaques. Est-ce que les dice des cadres ovales fleurants encadrés tiennent? Je crois qu'ils sont un peu trop grands en fait. Parce qu'au final, on se retrouve avec, pour le centre, des ovales qui sont un peu plus petits, Martine. Sauf que le contour est plus large. Donc, pas adapté pour la lanterne ici. Donc, voilà. Comme les deux côtés sont rabattus vers l'intérieur, ça va passer dans ma machine. Je prends ça, j'ai dit. Tac. Toc, 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 qui est là? Mais pourquoi tu dis ça, Nathalie? Voilà. Donc là, on s'arrange pour centrer. De rien, Martine. Je fais tenir. Voilà. Hop. Et je vais pouvoir passer dans la machine. Et c'est parti. Et du coup, là, comme je veux couper deux morceaux, parce que tu dis toc, ah. D'habitude, c'était voilà, par exemple, ou hop, et du coup, je suis passée à toc. Je vais faire deux ou trois passages, d'accord, pour être sûre de bien couper les deux épaisseurs. Voilà. Hop, nickel. J'enlève doucement parce que je veux pas que mon masking tape il est un peu trop costaud. Et du coup, il m'est déjà arrivé d'aller trop fort et j'avais tout arraché. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec des magnifiques découpes qu'on va pouvoir garder après sans aucun problème pour d'autres créations notamment. Voilà, on se retrouve donc avec les deux cadres qui sont super jolis. Voilà. Et puis les deux ovales aussi, qui peuvent vous servir par exemple de matage d'étiquettes sans problème. Voyez. Et je répète tout de suite l'opération. Là, je vous montre quand même. Voyez, ça a bien coupé. Ok. Et là, du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais rentrer ma petite languette de l'autre côté ici parce que je ne veux pas qu'elle aille être coupée là-bas. Hop. Et c'est parti. Je viens donc repositionner mon poinçon. Voilà, je le mets bien droit. Droit et centré. Et je repasse dans la machine. Voilà. Et c'est là qu'on constate finalement que les poinçons et la machine Stampin' Up! Sont franchement hyper costauds. Parce que réussir à couper deux épaisseurs de papier cartonné comme celui-là, comme ici, c'est quand même d'abord super pratique et ça prouve la qualité des poinçons et de la machine. Toc. Voilà. Et là, c'est bon. Tout est coupé et je retire ça tranquillement. Faites attention vous aussi, hein, selon le masking tape que vous avez. On y va doucement parce que sinon c'est quand même ballot d'être obligé de tout recommencer parce qu'on y a été un peu fort au moment de la découpe. Voilà. Et du coup, on a encore... Ça t'est déjà arrivé, Nathalie, je le sens. On a encore deux jolis cadres et deux étiquettes ovales qu'on peut utiliser pour des futurs projets. Voilà. Alors, je vais mettre de côté ma machine. Tac. Je rangerai ça après. Ok. Voilà. Du coup... Ça y est. Gros bisous ma petite Fabienne. Je t'envoie plein de courage pour le boulot aujourd'hui.
pense très très fort à toi et à très vite, j'espère. C'est du vécu, ouais, c'est du vécu. Évidemment que c'est du vécu. Voilà. Là, ça y est, notre lanterne, elle est ajourée. C'est nickel. Coucou, l'autre Fabienne. Comment vas-tu? Voilà. On remarque un peu tout ça. Ok, alors maintenant, prochaine étape, eh bien, tout simplement, nous allons mettre notre papier vélin. Si jamais c'est vous avez le même cas que moi, c'est-à-dire, vous voyez, quand je vais vouloir refermer ici, ma languette va dépasser un petit peu de mon cadre. Tout simplement, il suffit de la réduire et ça sera nickel. Donc je vais la couper un petit peu. Voilà. Tout simplement. Comme ça, au moment où on va fermer, ça ne se verra pas. Et puis, de toute façon, non seulement elle va être fermée par cette petite languette ici, mais il va y avoir le soutien du bas ici, puisque ça va être maintenu, d'accord? Et également par les petites languettes qui sont sur le haut. D'accord? Ça marche? Alors, mon papier vélin, aujourd'hui donc, ça ne sera pas le côté brillant, mais le côté velours. Merci Fabienne. J'espère que le tuto complet te plaira. Donc voilà, la partie velours, ici. Donc c'est tout doux. C'est un petit peu en surépaisseur. Et c'est vraiment très joli. Du coup, le rouge et blanc. Bon voilà, on est dans le traditionnel à mort. Hein. Donc je vous rappelle que la première version, le vélin, vous voyez, il a le côté un petit peu brillant. Voilà, et là, on est sur le côté velours. C'est beau, hein? Et ben là, tout simplement, on va venir les coller ici. On ne se trompe pas de sens sur le papier. D'accord? On va venir les mettre ici. Donc, on fait bien attention à ce que ce soit la bonne partie qui soit vers l'extérieur. Ça peut paraître évident, mais une fois qu'on est lancé, parfois, on oublie, ça aussi c'est du vécu. Ok? Donc on vient coller ça avec, je conseille fortement, des petits morceaux de double face. Est-ce qu'on peut colorier le velours? Je n'ai jamais testé ma petite Martine. J'ai envie de te dire, on prend un petit bout et on teste. J'en ai pas sous la main, mais je peux tester après, il n'y a pas de souci et je te dirai. Alors, double face. Ou alors le Stampin' Seal aussi, ça tient très bien. Mais par contre, je vais prendre le plus, le CCD plus, qui lui est beaucoup plus costaud. Et du coup, comme ça va le faire. Alors, toc. On positionne bien. Voilà. On s'assure bien des endroits où on va le mettre. Voilà. Lui, il est méga costaud, hein. Vraiment, il tient super bien. D'ailleurs, si vous allez un peu trop fort, vous risquez même d'arracher le papier. Donc, on y va tranquille. Mais vraiment, il est super bien. Voilà, on ne se trompe pas d'endroit parce qu'en fait, on ne veut pas que ça déborde. Ok. Et du coup, là, je peux même me permettre d'en mettre un petit bout sur les côtés. C'est quand même assez pratique dans le sens où le double face. Eh ben, il fait 0,6 de large, donc vous n'aurez peut-être pas la place d'en mettre au moins sur les côtés. Voilà, et là je viens le poser. Dans le joli cadre ici. Voilà, regardez. C'est joli, hein? Ça va être super sympa, vous allez voir. Hop. Un petit bout là. Un petit bout là. Ah, il déborde, donc c'est pas grave. On le rentre. Voilà. Et on fait ça partout. Tranquillement. Coucou Claude, comment ça va? C'est pas grave, il y a le replay. J'espère que tout va bien. Vous voyez?
Je vous ai dit qu'il était costaud. J'ai enlevé un bout de papier. Voilà. Hop, on y va tranquille. Je prends le temps de le faire pour ne pas abîmer mon projet quand même. J'en ai déjà fait 3 de lanterne, mais je vais piquer la tienne. Mais Nathalie, il n'y a pas de souci, écoute. Je t'en prie. Puis c'est pas spécialement la mienne, hein. J'ai rien inventé. Moi, je me considère comme une transmetteuse. Voilà. Hop. Et on fait ça, évidemment, vous l'aurez compris, sur les 4 morceaux. Les 4 cadres. Voilà, j'essaye d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Toc, un petit bout comme ça suffit. Ce papier vélin, je l'adore, il est vraiment magnifique. Voilà. Et pour finir, le dernier. On arrive au bout du projet. Après, nous allons assembler tout ça. D'accord. Ajouter la petite anse sur le dessus, un sentiment, et le tour sera joué. L'avantage avec ce papier, du coup, c'est que il n'a pas forcément de sens. Alors, je vais essayer de ne pas mettre ma tête au-dessus. Enfin bon, là, vous vous en fichez un peu, j'imagine. Voilà. Super. Ah, je vous ai pardonné les dimensions du vélon, je suis désolée. 8,7 par 6,7. D'accord? Alors, vous adaptez parce que selon l'outil que vous aurez utilisé pour faire vos différents plis, vous aurez peut-être une épaisseur qui va changer. Que ce soit l'outil de pliage avec le coupe-papier ou un plioir en os ou encore ce genre d'outil, voilà, ça peut changer de quelques millimètres l'épaisseur de vos plis. D'accord? Donc, jouez avec... Partez sur cette base-là et peut-être que vous verrez qu'il faut peut-être retirer un petit millimètre par exemple. D'accord? N'hésitez pas à recouper un petit peu si besoin. Hop. Donc, voilà. Vous avez vu? Ça commence vraiment. C'est joli, hein? Alors, maintenant, on vient coller cette partie-là. Donc pareil, là, mon double face va être un peu compliqué. Donc soit de la colle, soit ce petit outil magique. Voilà, comme ça, ici, je le mets là. Et je vais retirer ça ici. Non, je ne vais pas le retirer, je vais faire mieux que ça. Je vais le remettre à l'intérieur. Voilà. Hop, ça c'est quand même super pratique parce que quand le double face est un peu large, quand on n'en a pas du très très fin, c'est pratique. Hop, et je viens fermer tout ça. On aligne bien. Voilà. Nickel. Toc. Et le fond, comme d'habitude, là c'est facile, je vais venir coller. Ok. Et donc c'est là qu'on va se servir de ces petites languettes ici pour finaliser l'assemblage du haut. D'accord? Voilà, ça vous plaît? Vous aimez? Là, je vais prendre mon petit tube de colle quand même. Voilà, ça sera un petit peu plus pratique. Alors, on y va tranquillement. Et on vient bien aligner ici. Hop, voilà.
Donc j'attends quand même quelques secondes que ma colle imprègne bien le papier. Ok, voilà. Et je fais pareil sur les quatre petites languettes. Je vais pouvoir coller le fond après. Hop. Voilà, on essaye de bien en mettre partout, mais pas forcément des gros pâtés. Tac. Voilà. Et on attend que la colle prenne, s'il te plaît, sois gentille. Active le mouvement. Voilà. Alors, je ne vous cache pas qu'effectivement, les languettes ne sont pas très larges. Donc, évidemment, avec mes gros doigts, là, c'est moins facile. Voilà. La troisième. Hop. Comme ceci. Alors, je ne suis pas partie sur du papier design parce que j'avais envie que d'avoir un petit peu plus de solidité. Et c'est quand même le cas avec le papier uni. Vous serez forcément d'accord avec moi. Voilà. Hop. Toc. Et la dernière. Coucou ma petite Cathy, t'inquiète pas, tu regarderas le replay. Si t'en as envie. Oui Nathalie, une petite pince aussi, c'est vrai. Mais pour coller, je suis pas très à l'aise avec une pince. Merci Odile, c'est gentil. Voilà. C'est pas mal. Alors, ici j'ai mon raccord de ma lanterne, donc je vais considérer que c'est l'arrière. Donc je vais faire en sorte que le fond soit également vers l'arrière. Ok. Vous pouvez couper un petit peu si vous voulez, mais pas d'obligation. Voilà. Je mets de la colle un peu partout. Voilà, je vais le faire en plusieurs étapes. On fait attention de bien aligner pour que la lanterne soit bien droite. Ok. Voilà. Et je termine par le dernier. Le fait d'avoir quand même les quatre parties pleines, ça donne un petit peu plus de solidité. Voilà. Bon, après, c'est pas que les petites bougies LED soient très lourdes, hein, je vous l'accorde, ça c'est sûr. Voilà, je vais venir appuyer le fond. Comme ça. Hop, bien. Vous pouvez donner une petite forme extérieure ici, si vous le souhaitez. Merci Cathy. Et pour la petite anse, il vous fallait, alors, dans un premier temps, un morceau de papier uni pour la anse qui mesure 16 par 2 cm. D'accord? Et avec lui, un morceau de papier design. Donc moi, je suis partie sur le doré, parce que j'avais envie de faire rouge, blanc et doré pour ma lanterne. D'accord? Et celui-ci, bon, 0,5 de moins, donc 15,5 par 1,5. En rouge et blanc, les angles. Oui, je me suis amusée. Voilà, je suis raccord avec mon projet. Hop, voilà. Donc, je vous laisse les mesures ici. Tout simplement, je viens coller cet ensemble là. Toc. Le papier doré comme ça est assez épais. Donc, n'hésitez pas à utiliser du double face. Oui, il n'y a pas de doré sur mes ongles, je suis d'accord. Flemme. Il manque la déco dorée. Oui, je sais, je sais, je sais, mais j'en ai pas. Voilà, puis c'était déjà pas mal. Puis ça m'agace de passer du temps avec ça, alors... là. Voilà. Et du coup, je vais venir coller sur l'intérieur. Et je vais les positionner juste... Oula, sur l'intérieur, pardon. Juste en dessous. Pas sur cette partie-là, mais en dessous. Ok? Donc... là, je vais insister un peu parce que le papier à paillettes est vraiment très épais. Donc, plus le papier uni. Voilà.
Et là, pareil, je vais utiliser du double face que je vais coller à l'extérieur sur le bas, ici. Mon double face, ah bah bien, voilà, il était déjà là. Toc. Hop. Je vais mettre deux morceaux, parce que je veux vraiment que ça tienne bien. Et encore une fois, avec le papier pailleté, du coup, il ne faut pas hésiter à insister. Toc, juste au bord, comme ça. Je viendrai couper le surplus s'il y a besoin. Voilà, j'insiste bien avec mon plioir. Tu prends une feuille dorée et tu le colles sur tes ongles. Ça va être pratique, ça. T'as raison. Ça va être super pratique. Hop, et je viens coller à l'intérieur. Voilà. Donc pareil, comme d'habitude, hein, on fait attention de bien centrer. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Je rabats tout ça, toc, et je mets en face. Vous êtes barjots les filles. Genre, je vais mettre du papier doré sur mes ongles. Ça va être inconfortable. Ça va être magnifique. Avec une attache parisienne aussi. Ah oui, pour la hanse, oui, oui, bien sûr, vous pouvez aussi utiliser une attache parisienne, évidemment. Sauf que là, mes attaches parisiennes sont blanches et noires. Je sais pas, ça l'aurait peut-être pas trop fait avec le doré, je sais pas. Mais bon, voilà. Ok, et pour finir, le petit truc en plus. Alors, première chose, j'ai déjà donc embossé mon étiquette en doré avec le rouge-rouge. Joyeuse fête, d'accord? Que je vais venir évidemment coller comme tout à l'heure. Donc ça va bien ressortir, mais... Autre astuce, vous savez les flocons merveilleux que je vous ai montrés au début du live sur le catalogue qui vont être, voilà, vous voyez, ils se présentent comme ça, c'est, il y a quatre planches comme ça, donc elles se détachent, ok. Je les ai laissées en blanc sur la première, et en fait, l'autre, eh bien tout simplement, je l'ai embossé avec la poudre dorée pour lui donner le côté doré. Voilà, ça c'est la petite astuce du jour. Et du coup, eh bien, je vais pouvoir le mettre ici. Et on a le raccord avec la hanse qui est dorée, pailletée ici. Eh bien, le doré se retrouve ici. Et je trouve ça très sympa. Du coup, on peut le faire aussi en argenté, en noir, en cuivré. Bref, avec les poudres à embosser. Ça, c'est top. Donc, c'est parti. Je vais coller mon petit sentiment sur ma lanterne. Voilà, je vais pas aller jusqu'au bout. Oui, on peut faire ça, ma Cathy. Exactement. Je vais faire une mini vidéo cette semaine, justement, pour le montrer. Mais oui, oui, tu peux, la preuve. Tu vois, je l'ai fait. Et c'est trop cool. Hop. Centre mon sentiment. Voilà. Et du coup, je vais venir, pareil, coller mon flocon avec un dimensionnel. Normalement, ça peut le faire parce que le centre du flocon fait à peu près la même dimension qu'un dimensionnel. Et oui, c'est la petite astuce du jour. Ah, le dimensionnel, il tombe pile poil au centre du flocon. C'est pas magique, ça. Hop. Voilà, je vais le mettre là. Toc. Et voilà. Juste le petit truc. Pour finir, je vais rajouter deux petites perles sur mon étiquette. Pour rajouter encore un tout petit peu de brillant. Oh non,
Oh non, c'est mes préférés, il m'en reste plus que deux. Oh la vilaine. Ça, c'est les perles festives. C'est mes préférés de chez préférés. Les perles autocollantes rouges et vertes, qui sont pas que rouges et vertes d'ailleurs, mais juste, je les adore. Veux-tu venir ici? Là. Voilà. Ça y est, on a fini. C'est la magie de Noël. Ouais, c'est ça, Martine. Exactement. Et bien, voilà. Ça y est. La petite lanterne de Noël est terminée. Et du coup, vous avez deux versions. Oh, merci beaucoup, Odile. Ça me fait trop plaisir. Voilà. On a la version en blanc et argenté. Donc avec, je vous rappelle, la anse qui est embossée dans le papier argenté, le flocon merveilleux qui est resté tel quel, ici le sentiment embossé en argent, histoire de le faire un peu briller, vous voyez, ici le vélin brillant. Merci Nathalie, merci Andy. Et ici, la version rouge, blanc et un petit peu doré, avec le flocon embossé à chaud, idem pour l'étiquette, merci Marianne, les petites perles en plus et le papier pailleté au-dessus. Voilà. Et le vélin, la partie velours ici, très jolie. Voilà pour ces deux versions. Sympa, hein? Vous allez voir, puis vous pouvez aussi partir en argenté sans aucun problème. Voilà. Alors j'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis toute décoiffée du coup. J'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup beaucoup détaillé ce projet pour essayer de laisser le temps à tout le monde et selon les niveaux de s'adapter. Bonjour Laurence Niclas, je vous avais pas vu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci Martine. Merci Véronique. J'espère que tout le monde, en tout cas, quelles que soient les personnes qui ont participé à ce live, auront réussi à faire cette lanterne ou auront au moins envie de la faire. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Merci beaucoup Marie-Yvonne, que voilà, ça a été suffisamment explicite, clair pour vous. De toute façon, ne vous inquiétez pas, d'ici quelques minutes, le temps de finaliser la technique, eh bien, je vais... Vous le savez, vous partagez la fiche technique avec tous les schémas, la liste des produits que j'aurai utilisés pour les deux versions, et puis les photos, bien sûr. Et n'oubliez pas que dès jeudi, les liquidations du mini-catalogue arrivent. Vous avez le replay de ce live où je vous détaille l'intégralité de ces réductions directement sur le catalogue. D'accord. Et puis, autre information, deux autres informations. Le kit album, les inscriptions sont réouvertes jusqu'à ce soir uniquement. D'accord. Et en reparlant de ces liquidations, si vous avez envie de rejoindre mon équipe, faites vos petits calculs. Vous avez potentiellement la possibilité de doubler le nombre de vos produits dans votre kit de démarrage avec les incroyables réductions qu'il y aura dès ce jeudi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, non Nathalie, t'as pas réussi à me déconcentrer aujourd'hui, petite chippie. Tu vois, je suis restée très sérieuse. Super Brigitte. Surtout, partagez-moi vos créations, ça me ferait très plaisir de les voir. Envoyez-les sur les réseaux avec le hashtag HarmonyScrap en un seul mot et je serai notifiée, je pourrai les voir et ça me fera vraiment plaisir de voir vos versions. Ça marche? Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet et cette semaine aussi avec plein de surprises cette semaine, une petite vidéo tutoriel mais aussi plein de surprises donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook ou sur mon profil Instagram. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour un nouveau projet créatif. Ciao, ciao!